Plumeur, bon, c'est une ville de 18 000 habitants, la quatrième ville du Morbihan. On essaye d'être en pointe hein, dans le secteur des nouvelles technologies, des smart grids. Et ça a déjà commencé l'année dernière par l'implémentation sur le territoire d'un réseau de fibre optique. Hein. Donc on a quand même près de 2 000 foyers pleumeurois à l'est de la commune qui sont déjà connectés à ce réseau rapide. À Plumeur et Lorient, c'est vrai que c'est 10 000 foyers qui sont concernés dans le cadre du dispositif Solène. Ça consiste surtout à aller recruter donc des pleumeurois et pleumeuroises hein, pour qu'ils testent le dispositif Linky chez eux. C'est-à-dire qu'on a été très vite emballés. Je crois que ça répond à des attentes également des citoyens. Enfin, moi, je suis élu, donc je parle de nos citoyens, de suivre leur consommation. Et ça répond aussi à ce besoin d'essayer de diminuer nos consommations en énergie fossile et d'accompagner au mieux la transition énergétique. En pouvant suivre sa consommation, on sait que naturellement on va avoir tendance à la réduire ou à mieux piloter sa propre consommation. Et ça permet surtout d'avoir une vraie politique énergétique pour l'agglomération, mais plus globalement même pour la Bretagne. C'est vrai qu'on est toujours à deux doigts de la rupture en période d'hiver. Donc ça permet de mieux maîtriser les volumes consommés, de bien communiquer également avec les consommateurs. Il faut impliquer donc les personnes, sachant qu'elles se disent qu'est-ce que ça m'apporte de plus. En plus, il ne faut pas oublier que ce compteur rentre chez le citoyen. Donc on rentre dans l'intime, on rentre dans le chez-soi, donc il faut aller accompagner en disant qu'il y a des plus, donc il y a un travail. Linky n'est pas encore connu, on est au tout début, sachant que nous, nos portes restent ouvertes. Hein, c'est le rôle aussi d'une collectivité d'appuyer une démarche, surtout que j'y crois, enfin, la collectivité y croit. Donc il faut aller convaincre. On n'a eu aucun retour négatif en mairie, voilà. Donc je pense que le déploiement national devrait se faire dans les meilleures conditions. Il est évident qu'avec une bonne communication du dispositif Linky, ça devrait suivre tout naturellement.